Ok, on est C'est bon, dessus, on y va. on y va. Bonjour, donc bienvenue pour votre quart d'heure. La gestion, l'animation, ça fait un peu beaucoup. Bienvenue pour votre quart d'heure nécessaire de libération émotionnelle. Aujourd'hui, on va vous parler de procrastiner ou cet art de toujours tout remettre au lendemain. Et avant toute chose, je vais laisser la main à Natacha qui va faire une petite présentation de la régulation. Bonjour. Je ne sais plus très bien ce que je devrais dire en fait. Attends, je vais regarder, je vais noter. Je sens bien que en fait, c'est pas top. Peut-être je devrais faire une truc là, tu sais, pour voir ce qui se passe dans mon corps, mais. Non, je vais d'abord chercher mes notes. Non, en fait, je crois que je ne suis pas prête, moi, pour ce truc-là, pour regarder ce qui se passe dans mon corps. Je vais passer la main à quelqu'un d'autre, on verra ça plus tard. Natacha, tu ne serais pas en train de remettre à plus tard, des fois? Comment ça? Non, non, pas du tout. Non, en fait, c'est que je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. Tu n'es pas prête? Non. D'accord. Mais peut-être vous pouvez me donner des astuces quand même. Eh bien, justement, on va voir un petit peu, là, pendant ces quelques minutes qu'on passe ensemble, cet art de toujours tout remettre au lendemain ou à plus tard, comment on peut le détecter et surtout, comment on peut agir avec la régulation émotionnelle pour essayer d'améliorer ça? À vous, les filles. Moi, j'ai un client qui procrastinait depuis un an le fait d'appeler le réparateur pour son Velux. Là, il était en vacances et donc, du coup, il sentait bien que ça faisait partie de sa liste de choses à faire. Donc, on a choisi de faire une résolution émotionnelle sur cette procrastination-là. Le lendemain, il m'appelle et il me dit « J'ai pu appeler le réparateur, ça m'a pris 30 secondes. En fait, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. Merci beaucoup. » Voilà, c'est un petit exemple en situation de différé. Petit exemple en situation qui m'est arrivé cette semaine. J'avais quelque chose à faire et puis sur l'ordinateur. Et puis je me lève, je vais boire un coup. Bon, je reviens, je m'y mets et puis je me relève et puis je vais chercher quelque chose dans le frigo, je crois. Et là, il y a quand même un truc, je me rassieds. Et la troisième fois que je me suis relevée, au milieu du couloir, je me suis dit « pap, 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 là, il se passe quelque chose ». Donc, parfois, la procrastination, vraiment sur le moment, on ne s'en rend pas compte. C'est quand on s'est rendu compte que ça fait 2-3 fois qu'on est en train d'éviter qu'on peut le choper en situation. Parce qu'en fait, souvent, ce qu'on peut identifier, le facteur principal qui déclenche la procrastination, en fait, souvent, c'est l'anxiété. La peur d'avoir à faire quelque chose ou la peur de ne pas être à la hauteur de quelque chose. Et en fait, ce qu'on voit bien dans vos exemples-là, c'est que la procrastination, c'est une stratégie d'évitement. En fait, pour faire autre chose que la source anxieuse qui est en train de se manifester, quoi. Et parfois, on ne se rend pas compte que c'est de l'anxiété. On ne la sent pas, l'anxiété. Justement, on procrastine pour éviter que ces sensations désagréables arrivent, quoi. Donc, repérer les situations de procrastination, ça aide quand on n'arrive pas à repérer les sensations directement. Ça permet de ne pas se confronter à l'échec. Moi, par exemple, ça fait un an que je procrastine le fait qu'il faut que je trouve un boulot en salariat pour compléter mon activité en libéral. Je ne l'ai toujours pas fait. Et là, la situation de confinement m'oblige à me mettre face à moi-même et de me dire, là, il est largement temps maintenant d'aller arrêter de procrastiner et de faire mon CV, ma lettre de motivation pour pouvoir changer de cap et améliorer ma situation financière. Mais comment je peux savoir si c'est que je ne suis pas prête ou si c'est que je procrastine? En fait, ça te pose un problème quand tu procrastines. Tu dis, mince, là, je suis en train de fuir. Moi, par exemple, tu vois, genre la CAF, les démarches à la CAF, je les décale. Chaque semaine, je les décale à la semaine d'après. Donc là, tu vois, je vois bien que je ne suis pas en train de faire un choix. Je suis en train de repousser un truc qui me dérange. Alors, par exemple, hier, j'ai vu ça, j'ai vu la démarche à la CAF et je suis partie faire un gâteau. Là, j'ai fait, oulala, là, ça procrastine. Et ensuite, aujourd'hui, je me suis dit, bon, allez, il faut y aller, il faut le faire. Et donc, j'ai fermé les yeux, j'ai régulé. Ensuite, sur le site de la CAF, pareil, j'ai régulé plusieurs fois. Dès que je voyais un petit truc, un mail de la CAF, il faut l'ouvrir, boum, je régule. Et c'est vraiment ça qu'on vous encourage à faire, c'est de réguler à plusieurs moments jusqu'à ce que vous attrapiez les bonnes racines qui vont débloquer votre problème et qui vont faire que quand il y aura des démarches à la CAF, par exemple, ou sur autre chose,
Vous allez sentir que ça va, vous le faites, quoi. C'est plus la corvée du siècle. Oui, on ne régule pas la... On fait des comportements autres, en fait, un peu comme si on avait des actions parasites à ce moment-là de fermer les yeux pour essayer de choper la racine, comme tu disais. Qu'est-ce qui est en train de nous mettre en perturbation qui nous évite de rester sur l'objectif qu'on s'était fixé? Oui, le problème n'est pas la procrastination. La procrastination, c'est ce qui me permet de repérer qu'il y a un problème. Donc, si je vais réguler une fois sur une situation de procrastination, ça ne veut pas dire que je ne vais plus jamais procrastiner. Peut-être que c'était ma solution la plus habituelle pour décharger. Donc, je vais être amenée à réguler plein de fois que je me retrouve à procrastiner. C'est pour permettre de rester, parce que la plupart du temps, quand on procrastine, c'est qu'on reste dans notre zone de confort, parce que c'est beaucoup plus confortable. D'aller faire un gâteau, c'est carrément mieux que d'aller s'occuper des papiers administratifs. C'est carrément plus fun, même gustativement parlant d'ailleurs. Mais par contre, du coup, le fait de réguler, ça permet de sortir de sa zone de confort sans être dans quelque chose d'inconfortable pour soi, en fait. Donc, de finalement rester dans sa zone de confort pour faire des démarches administratives, pour faire des actions qu'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas forcément faire aussi dans le quotidien. En fait, ce qu'on régule, c'est surtout l'anxiété qui est dessous. Parce que, comme disait Maëlys, en fait, la procrastination, c'est la manière dont nous, on va le manifester, notre stratégie d'adaptation. Mais en fait, ce qu'on régule à chaque fois, c'est des situations anxiogènes. Et ce qui va nous mettre en stress, en anxiété, c'est ça qu'on régule à chaque fois. La procrastination, elle ne se régule pas en soi. C'est notre comportement adaptatif. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est quand Emeline nous disait en aparté que c'est quand elle culpabilisait, c'était quand elle... Tu peux nous expliquer un peu plus, Emeline, ton idée là-dessus? Oui, moi, j'ai un client qui était venu parce qu'il culpabilisait, sa femme lui disait qu'il était paresseux. Et en fait, derrière ça, il y avait une culpabilité, la peur de l'échec, c'est-à-dire qu'il n'osait pas faire certaines choses à la maison, notamment par rapport aux enfants. Et comme il reportait ou il se débrouillait pour ne pas faire dans l'instant, il mettait sur son agenda, puis il remettait à la page d'après. Dans son entourage, il a été vécu comme quelqu'un de paresseux, qui n'a pas d'ambition. C'était pareil par rapport au travail. Donc, la procrastination, il n'est pas venu parce qu'il procrastinait. Il est venu parce qu'il se sentait coupable par rapport à son entourage qui lui renvoyait qu'il était paresseux, qu'il n'avait pas d'ambition. Voilà. Oui, on a aussi la rumination. C'est-à-dire que c'est aussi une manière de procrastiner. Exemple, je dois faire des démarches pour faire de la publicité pour mon travail. Et puis, je me dis non, mais de toute manière, ça ne sert à rien. Plus personne n'a besoin de se soigner. Et puis, ça ne sert à rien. Et puis, je me mets à ruminer sur le monde actuel. Mais c'est une manière de justifier cet évitement que je suis en train de faire, quoi. Donc, pour moi, là, quand je me mets à ruminer, je me dis... Je suis en train d'éviter quoi? Depuis quand je suis en train de ruminer sur ce thème? Qu'est-ce que je faisais avant? Et puis, je reviens dans la situation où j'étais avant pour pouvoir me permettre de réguler en situation. Ça vaut tellement le coup, en fait, de réguler parce qu'on culpabilise, on rumine, ça prend des semaines, des mois, on repousse et tout, on ne se sent pas bien, on se dit « mince, je ne suis pas sérieuse » et tout, machin. C'est vraiment dommage. Là, ça vaut le coup de réguler et c'est plus léger, enfin, vraiment. Et surtout, on a l'impression de perdre son temps à longueur de temps. Moi, le nombre de fois où j'entends les gens dire « mais je ne fais pas ça, je perds mon temps », en fait, réguler, ça permet vraiment de gagner du temps parce que l'énergie qu'on perd à remettre à demain, à être dans l'évitement, c'est juste incroyable, en fait. Donc, en faisant une régulation émotionnelle, on fait beaucoup plus de choses dans notre journée. Donc, du coup, on est beaucoup plus fiers de ce qu'on fait et ça augmente complètement l'estime de soi-même, en fait. Et quand on a vu ce qu'on a remis à plus tard, en fait, ça t'a pris 5 minutes, quoi. C'était rien, c'est ça le pire, et ça fait 3 mois que ça traîne. Tu te dis, oh là là, il faut que je ferme les yeux. Et pour répondre à Natacha, est-ce que je suis en train de procrastiner ou est-ce qu'en fait, intuitivement, je sens que ce n'est pas la bonne chose à faire et que j'ai autre chose à faire? La seule manière de le savoir, c'est de fermer les yeux. Mm-hmm. Et s'il ne se passe rien à l'intérieur, c'est que c'est OK, c'est que c'était une intuition, que ce n'était pas le moment de faire ça. Moi, c'est ce que j'aime dans la régulation émotionnelle, c'est que ça me redonne accès à mes intuitions et à pouvoir faire confiance au moment où je suis dans une intuition et pas dans un évitement ou dans une gestion d'une perturbation. J'aime beaucoup ça aussi, oui. J'aime beaucoup ça parce qu'en fait, quand je procrastine, j'évite et je vais vers le plaisir plus facilement. Donc, est-ce que je suis en train d'éviter parce que justement, je ne vais pas me confronter à l'URSSAF ou aux impôts, etc. Bon, là, c'est évident, hein. Mais dans des situations moins évidentes,
Est-ce que c'est que le plaisir ou la perte de sens que j'ai dans une situation, elle va être éclairée par le fait que je ferme les yeux? Mais non, c'est OK dans mon corps. J'ai envie plutôt d'écrire une chanson plutôt que d'aller faire les courses là maintenant et j'irai après, par exemple. Ça permet de danser avec la vie. Moi, depuis que je fais des régulations, j'ai l'impression de danser constamment avec la vie. C'est beau. Natacha? Oui. Alors, avec tout ce que vous m'avez dit là, moi, je pense que maintenant, si je suis de nouveau perdue parce que je ne sais pas trop ce que je dois faire, si je ne me sens pas bien et que je me dis « Ah non, je ne vais pas regarder dans mon corps », peut-être que c'est parce que j'ai un peu peur d'aller voir ce qui se passe dans mon corps et que je n'ose pas y aller. Alors, je vais faire ce qu'a dit Maïlys. À tout hasard, je ferme les yeux et j'observe et je vois. Là, je vois bien que j'ai des toutes petites sensations. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a bien quelque chose. J'ai quelque chose ici, là. C'est très léger. Et j'ai des fourmis dans le bout des doigts. Je laisse évoluer ça. La salive qui vient dans la bouche. Je laisse faire. Ça s'apaise, je vois. Excusez-moi, les filles, qu'est-ce que je devais faire un hymne, c'est ça? Ben, je crois que ça va. Eh ben, j'étais vraiment en perturbation. Et voilà. J'espère que la prochaine fois, je vais voir. Je pense que je vais pouvoir peut-être fermer les yeux plus rapidement. Super. Top. Oui. Donc voilà, on arrive tranquillement mais sûrement au bout du quart d'heure nécessaire de libération émotionnelle. Donc aujourd'hui, on a pu débattre un peu autour du sujet sur la procrastination. On a pu voir que en fait, ça pouvait être une stratégie d'évitement, voire un comportement adaptatif plutôt à des situations anxiogènes ou cette espèce de perfectionnisme qu'on peut avoir et qu'on retrouve souvent dans la procrastination au travail, entre parenthèses. C'est qu'on veut tellement bien faire qu'en fait, on ne fait jamais ou on se met la barre très très haut et du coup, on procrastine dans un truc et du coup, on n'avance pas. Donc voilà, et par rapport à la régulation émotionnelle, donc on a pu détecter que ça serait intéressant, plutôt que de réguler sur la procrastination qui, elle, est une conséquence, de pouvoir choper tout ce qui se passe avant, c'est-à-dire les moments où peut-être je me parle mal, je ne suis pas à la hauteur, je suis vraiment nulle, tous ces moments-là, tac, d'aller fermer les yeux, il se passe quoi pour que je me dise ça? Parce que la procrastination, c'est déjà le comportement qu'on a mis en place, donc c'est presque trop tard pour fermer les yeux. Mais quand je me dis des trucs pas trop sympas, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et puis toutes les situations anxieuses, toutes nos activités parasites de trémouiller à droite à gauche ou de faire quelque chose plutôt qu'une autre, donc tous ces petits trucs-là de pouvoir fermer les yeux. Voilà, donc plein d'expériences avec tout ça, il y aura plein de bonnes occasions de fermer les yeux. Et puis sinon, on se retrouve demain pour là voir un petit peu la régulation et dans les choix, en quoi ça nous aide à faire des choix et donc à ne plus procrastiner, ce sera un peu la continuité. Voilà, c'était les drôles de dames de la régulation pour ce quart d'heure absolument génial. Merci les filles, à bientôt. Au revoir.